Maintenant, la partie C. Alors, les deux C sont identiques. Ce qui va changer, c'est le dernier temps de la dernière mesure qui fait la transition avec la partie qui suit. Donc, ils vont commencer tous de la même manière. On a la levée Fa, Fa, Sol. Début du C. Sol, Mi. Voilà, donc ça vous fait Fa, Fa, Sol, Mi. Fa, La. Deuxième mesure. Sol, La, Sol, Mi. Et la deuxième mesure se termine par Mi, Fa, Ré. Donc je vous refais la deuxième, première et deuxième mesure. Ça fait Fa, Fa, Sol, Mi. Fa, La, Sol, La, Sol, Mi. Mi, Fa, Ré. Voilà. Troisième mesure. On retrouve les Mi, Fa, Ré. Mi, Fa, Ré. Et Mi, Fa, Fa. Donc Mi, Fa, Ré. Mi, Fa, Fa. Et enfin, quatrième mesure. Donc je vais faire que les trois premiers temps qui font Fa, La, Fa, La, Fa. Et c'est le quatrième temps qui va changer. Donc ça fait Fa, La, Fa, La, Fa. Donc si je refais tout ça, ça fait fait le C pour la première fois, on va refaire Fa, Fa pour enchaîner avec. Et le C', il va se terminer par La, Mi. Voilà, le dernier temps, c'est de croche La, Mi. Donc, pour le premier C, ça fait donc, je saute le Fa Fa du début et ça fait Sol, Mi, Fa, La, Sol, Mi, Mi, Fa, Ré, Mi, Fa, 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 La, Fa, La, Fa, 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 C'. Sol, Mi, Fa, La, Sol, Mi,